très bien, donc l'autre, il joue. Le vieux se tient un peu tranquille. Enfin, il râle moins. On entend sonner Big Ben les 11 heures là-bas. Boum! Boum! Les coups vont rouler dans les nuages. Voilà en somme le décor. Maintenant, ça risque plus grand-chose. Je peux vous raconter tout en somme, toute la comédie. Il y a les payes et les distances. Ah là là, plutôt. C'est fini tout ça, c'est du rêve. C'est plus que des images, imagination. Et puis il y a eu la guerre 39, et puis tout ce que vous savez. C'est comme un autre monde à présent. C'est dommage, c'est bien dommage. Je ne les reverrai jamais sans doute les endroits réels. Ils me laisseront pas retourner là-bas. Ça serait ma dernière volonté pourtant, je vous le dis. Et ils me pendront avant. C'est dommage, c'est pitoyable. Je suis obligé d'imaginer. Je vais vous faire un petit effet d'art. Vous me pardonnerez. J'aurais pas voulu être réduit à du mélodrame. Tout de même, n'est-ce pas, dans mon cas, mettez-vous un peu à ma place. Je voudrais pas qu'on vous raconte les choses tout de travers, plus tard, quand il n'y aura plus un seul témoin. Personne de vivant, que ce sera plus que des ragots, des contes de bonnes femmes, des déchets de sous-biaises saloperies. Ah, on se régalera sur ma tronche, on s'en paiera sur mon supplice de me salir à tort à travers. Si je prends pas toutes mes précautions, je suis tout déshonoré d'avance. Si je raconte pas dès aujourd'hui, dès à présent, tous les détails, pas dans une heure. Le tout bien scrupuleux, exact, méticuleux. Je reprends donc là toute mon histoire. Au boom, boom du Big Ben. Les coups qui roulent dans les nuages, qui grondent dans l'écho. C'était exactement comme ça. J'essaie pas de vous émouvoir. Je vous force pas mes effets.